Bonsoir, bonsoir et bienvenue à tous à ce webinaire de présentation de la technologie de transport à cordes. Je suis très content de vous retrouver une fois de plus ce soir pour pouvoir parler des dernières nouvelles de ce projet magnifique. Nous ne sommes plus un projet, nous sommes déjà en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Donc, ce transport innovant qui entre sur le marché mondial du transport s'apprête à occuper plus de 50% du marché mondial du transport. Alors, quelles sont les dernières nouvelles de ce projet? Nous les verrons tout de suite. Nous commencerons par ces dernières nouvelles. Ensuite, les facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement. Les possibilités et perspectives, okay, du système de transport innovant qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Les problèmes, risques et sécurité des systèmes de transport actuels, les possibilités et perspectives du système qui est en train d'entrer sur le marché mondial, et je vous montrerai comment vous pouvez contribuer donc à l'avènement de ce transport écologique et sûr. Nous verrons qu'est-ce que Skywalk Community vous offre et les avantages et perspectives que vous tirerez de votre participation à ce magnifique projet. Alors, nous commençons par cette dernière nouvelle qui vient de tomber. Magnifique. OK? Nous commençons par cette magnifique nouvelle. 47 millions de dirhams n'est pas une limite. Pour améliorer la stabilité financière de l'entreprise, il faut disposer de son propre fonds de roulement. L'un des moyens d'augmenter son propre fonds de roulement est d'augmenter le capital autorisé. Et la première chose à faire est de renforcer l'indépendance financière de l'entreprise. On a annoncé que Yuska Transport F en infrastructure a reçu le certificat du Chargeur Research Technology Innovation Park, notre autorité avec une solide augmentation du capital autorisé versé à 47 millions des dirhams émiratis, confirmant ainsi que Yuska Transport est bien une entreprise établie et riche, non seulement à Sharjah, mais dans tous les Émirats arabes unis. Yuska Transport tient à exprimer sa gratitude particulière à Monsieur Nachid Habib, directeur associé enregistrement et licence au Sharjah Technology and Innovation Park, pour son soutien complet et son service de première classe dans ce domaine important. Monsieur Nachid Habib présente le certificat mémorandum au représentant du Yuska Transport sur cette image. L'augmentation du capital autorisé est une étape cruciale vers une nouvelle progression réussie du Yuska Transport. Ainsi, notre entreprise fait preuve de fiabilité et de dévouement à son travail et à ses obligations. Cette étape donnera un nouveau souffle à notre projet et à son déroulement. Et aujourd'hui, nous disons avec confiance que 47 millions n'est pas la limite. Les étudiants de l'Université américaine de Sharjah ont apprécié la technologie U-Sky. Le parc de recherche des technologies et d'innovation de Sharjah a accueilli un groupe d'étudiants de l'Université américaine de Sharjah. Vous savez que l'Université américaine est située juste en face du centre. Les représentants de l'Université
Jusqu'à 30 ans, présentait aux jeunes spécialistes la technologie YouSky. Dans le cadre de cette présentation, les étudiants en ont appris davantage sur YouSky Technology et ont examiné un U-Flash à grande vitesse, un U-Con transportant des marchandises et un U-Car tropical certifié U-Car 430 qui a récemment complété la gamme de véhicules électriques testés. Les visiteurs du STRTI peuvent maintenant faire un essai routier sur un U-Car au centre d'essai et certification pour s'assurer personnellement de la fiabilité, du confort et de la sécurité du dernier véhicule. Les représentants du YouSky Transport ont accordé une grande attention à la justification idéologique du projet. Les invités ont pu découvrir la volonté de l'entreprise de trouver des solutions intelligentes dans le cadre du développement durable. Parce que ce sont elles qui contribuent à l'amélioration, l'accès à l'éducation, à la médecine et à d'autres domaines importants de la vie. Les véhicules électriques YouSky à haut rendement et respectueux de l'environnement améliorent la sécurité des transports à grande vitesse, car ce matériel roulant est placé au-dessus du sol. Cela élimine le risque de collision avec d'autres objets et véhicules. En outre, la certification des véhicules YouSky, qui est obligatoire pour l'enregistrement auprès des autorités, garantit donc une conformité maximale aux normes de sécurité modernes. À l'heure actuelle, YouSky Transport dispose d'un ensemble d'éléments de systèmes de transport certifiés et technologiques qui permettent de résoudre divers problèmes dans le domaine des transports urbains et interurbains de passagers et même de marchandises. Le principal avantage commercial des complexes de transport et d'infrastructures YouSky est la réduction significative des coûts de construction et d'exploitation, combinée de la durabilité et à une sécurité accrue, surtout par rapport au transport terrestre et aérien traditionnel. Alors, UST Inc. continue de travailler au Salvador. Unique Christine Technologies continue de travailler au développement des infrastructures de transport au Salvador. Plutôt, les plans du gouvernement pour l'application de la technologie UST ont été déclarés par le commissaire du représentant pour les projets stratégiques, Christian Flors, demande de technologies alternatives. En 2021, le Salvador a accueilli plus de 1 400 000 visiteurs, ce qui, de même, que la forte croissance démographique de la région rend urgent le développement efficace du système de transport. Un grand nombre de monuments architecturaux et un développement urbain dense ont créé une demande pour l'application de la technologie de transport alternative. Cette technologie doit être productive et facile à adapter dans un environnement déjà formé. Ce système de transport permettra de transporter un grand nombre de passagers sans affecter les sites historiques et culturels. Nouvelle fonctionnalité avec les complexes UST. YouSky Technologies offre des véhicules électriques sans pilote, sans roues en acier qui assureront un transport efficace et sûr de jusqu'à 50 000 personnes par heure. C'est énorme. Les pistes UST peuvent être posées sur le développement urbain existant et s'intégrer harmonieusement l'architecture locale. Cependant, la construction des complexes UST est plus abordable par rapport à la pose de chemins de fer ou d'autoroutes. En outre, le transport UST est idéal pour les excursions, par exemple dans les parcs nationaux ou les réserves naturelles. Les touristes et les résidents du Salvador pourront profiter d'une vue pittoresque sans interférence des transports dans l'écosystème existant dans la région. À propos du système multimédia installé dans UPort, remplacera facilement le guide. Donc, voici quelques dernières nouvelles dans notre magnifique projet. Et maintenant, nous parlerons de cette technologie de transport à Kodla. Il s'agit d'une solution innovante aux problèmes modernes de transport urbain de marchandises et à grande vitesse. La possibilité de devenir pas d'analogue dans le monde. OK? Et en 1914, OK, pour un peu d'histoire,
L'usine de confiserie russe appelée INIEM produisit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. C'est ainsi qu'il a représenté le monde dans un avenir proche. On voit là une escalade ajourée avec un wagon suspendu. Dans l'illustration suivante, on voit les voitures et les tramways qui entrent en collision. Les gens courent essayant de ne pas tomber sous les roues et dans le ciel, on aperçoit le même tramway céleste. Cette situation que vous voyez ici nous est déjà familière et pas seulement sur les images. C'est notre monde, c'est le transport de niveau 1. C'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. Quel que soit le monde dans lequel nous vivons, nous faisons face à ces problèmes d'embouteillage, quel que soit notre pays. Chaque année, 1,5 million de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Les effondrements du transport affectent donc l'économie. Les ports surchargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises et les navires sont obligés de temps d'attendre chacun leur tour. Ainsi, nous désignons donc les deux premiers problèmes du transport moderne, à savoir le trafic dense des routes ainsi que la mort des personnes. En construisant des routes, l'homme envahit la nature. Elle vit sa vie et essaye de résister à l'homme tant bien que mal. Celui-ci reste persévérant, tellement insistant même qu'il oublie qu'il tue le monde dans lequel il vit. Regardez, le carburant que l'on utilise aujourd'hui est un poison pour la nature. Elle ne peut plus résister. Le prochain problème majeur de notre époque, c'est la pollution de l'environnement. Le problème du passage du transport modèle en électricité, OK, ne sera pas résolu par l'écologie. Ne résoudra pas le problème de l'écologie autant pour moi. Le fait est qu'en branchant une voiture dans une prise de courant, nous nous connectons à des centrales électriques qui, elles, fonctionnent à partir des combustibles fossiles. L'un des moyens de sortir de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. Donc, le quatrième défi de notre époque, c'est celui de réduire la consommation d'énergie. Dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre plus haut au deuxième niveau. Il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les ravins, les rivières, les forêts. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de capital restent évidents. Les tentatives de construire une route en l'envers ont été faites comme au siècle dernier en Allemagne et de nos jours en Chine. Un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais c'est la seule différence. Ces photos que vous voyez ici n'ont jamais été classifiées confidentielles. Mais pour une raison quelconque, jusqu'à présent, personne n'a combiné ces deux technologies, à savoir le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. OK? Si vous remplacez pour ces enfants italiens qui traversent la rivière les simples roues rouleaux par des roues électriques, nous obtenons un nouveau système de transport. Et bien évidemment, il ne faut pas confondre ce nouveau système de transport avec le téléphérique ou le funiculaire. Ces derniers n'ont pas leur moteur, ils sont simplement tirés sur le câble. Les voitures du téléphérique au-dessus de la surface du sol, le funiculaire sur le flanc de la montagne. Le transport donc que nous allons examiner aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Alors, lisons ensemble cette assertion du docteur Anatoly Uniski, fondateur de Uniski String Technologies. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Alors, sur cette base donc, fixons-nous le problème qui consiste à se déplacer confortablement d'un point A à un point B de la surface de la Terre. Selon le schéma de production standard lors de l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol, de changer la faune et la flore. On peut voir tout cela sur cette image. La prochaine étape consiste à créer une fondation multicouche de 2 mètres sous la route. Et seulement alors, à ce moment, nous pouvons poser les rails et laisser rouler le matériel roulant. Pour éviter les travaux de terrassement lourd et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant
un pont. Appelons la méthode utilisée par les enfants au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde. Et au lieu d'un pont lourd et coûteux, donc dans ce cas, on va plutôt poser le câble. Les supports lourds ne seront pas nécessaires en ce moment, on les remplacera par des supports légers. On va ainsi tirer le câble et fixer les extrémités dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Enlevons ensuite les supports qui n'étaient pas nécessaires. Nous plaçons donc notre câble dans une enveloppe et nous obtenons quoi? Une structure de rail unique. C'est ainsi donc à quoi ressemble cette structure de rail unique. OK, en section, on peut voir là les différents éléments principaux technologiques. On voit la tête du rail, OK, on voit les cordes qui sont des faisceaux de fil d'acier précontraint. On voit un agent de remplissage qui est un béton flexible et on voit donc l'enveloppe, le corps du rail. Sur cette base, il est possible de créer trois types de structures de trajet, chacune d'elles ayant ses propres tâches et avantages. OK? Une structure de trajet semi-rigide qui, pour des véhicules allant entre 50 et 250 km par heure, structure de trajet rigide pour les véhicules de 100 à 500 km par heure, et une structure de trajet flexible entre 30 et 150 km par heure. Ici, nous pouvons voir la conception intérieure du châssis avec les différents éléments. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier que ce système a un système, ce transport, autant pour moi, a un système anti-déraillant spécial dans la conception. Regardez cette image, les dimensions réelles du rail semi-rigide et flexible. Ceci, c'est un photomontage pris qui montre des aubans supportant le vrai pont. Les mêmes aubans peuvent servir de base à la structure de trajet à cordes. Et en passant dans ce cas, vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La nageur de la rivière à cet endroit peut être facilement bloquée par une seule travée. Ici, ce n'est plus un photomontage, mais une vraie photo prise en octobre dernier dans le Centre de recherche et d'innovation technologique de Sharjah. Une caractéristique distinctive des structures de trajet à cordes est que les rails n'ont pas d'effet. N'ont pas d'effet autant pour moi, dans le sens où nous n'entendrons pas les bruits caractéristiques des rails en acier sur la roue en acier. La tâche la plus importante du transport du deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers. Le passage du pilote. L'absence de pilote, autant pour moi, au contrôle automatique, éliminera l'influence du facteur humain. Et là, donc, c'est une photo de moi-même au Centre de recherche et d'innovation technologique de Sharjah, devant cet unique car magnifique. Il est possible de réduire la charge sur la structure de trajet et augmenter la capacité passante de la manière suivante. On peut subdiviser la grande composition en wagons automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera pas difficile de résoudre un tel problème logistique. Revenons aux photos déjà familières, ou plutôt aux roues moteurs. Ceci, c'est l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité, la compacité et la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie est de réduire la résistance aérodynamique à l'air. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie augmente considérablement. Les courants des vents complexes autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affectent grandement la consommation d'énergie de celle-ci. Sur le transport de second niveau, les fusées au-dessus du sol n'ont pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans la soufflerie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. Voici l'appareil qui vient d'être présenté sur le schéma précédent en grandeur. Cette image montre les caractéristiques des deux véhicules ainsi que le recalcul de l'électricité consommée par le poids du carburant liquide conditionnel. Il est clair que l'UFLash qui va à 500 km par heure
peut permettre d'économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an, ce qui est énorme. Maintenant, rappelons les problèmes liés au transport moderne que nous avons vus jusqu'ici, à savoir la surcharge des voies de transport, le manque de sécurité, la pollution de l'environnement et la forte consommation d'énergie. Sur ces différents diagrammes, vous pouvez voir donc clairement que tous ces problèmes sont résolus par le transport innovant du Sky. En termes taux d'accident du transport, pollution de l'environnement, coût du capital, le coût des opérations, la consommation d'énergie et la capacité. Le graphique ci-contre montre clairement l'avantage du transport à cordes par rapport aux autres systèmes de transport. Et voici une comparaison des types de déplacements terrestres les plus modernes, à la fois opérationnels et même projetés. Nous pouvons donc dire à ce moment que le transport de deuxième niveau U-Sky est un transport léger, rapide, écologique et même économique. Alors, tout le monde peut participer à ce projet. Nous proposons bien évidemment, via Skywalk Community, des investissements pour tout budget à partir de 50 dollars et aussi un plan de versement divisé sur 5 mois. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de payer des packs en cash, peuvent le faire sur 5 mois à partir du pack de 250 dollars. Il y a aujourd'hui plus de 400 000 investisseurs partout dans le monde, y compris des hommes d'affaires, des femmes, des hommes, des ingénieurs, des personnes de différentes professions. Et en participant à ce projet, donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous gagnerez? OK? D'avoir des dividendes. De tous les projets réussis de l'entreprise, vous aurez des dividendes. 20% des bénéfices de l'entreprise seront répartis entre tous les investisseurs sous forme de dividendes, au rachat d'actions. La société peut annoncer au rachat d'actions. En octobre 2018, les 5 000 premiers investisseurs ont eu la possibilité de revendre leurs actions à un montant allant jusqu'à 10 fois le montant qu'ils avaient investi. L'héritage. Les actions sont votre propriété, vous pourrez les léguer à vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants en héritage. La vente d'actions. La valeur actuelle des actions est bien inférieure à la valeur nominale en cas de décision de la société de participer à l'échange boursier. OK? Vous pourriez donc avoir la possibilité de revendre vos actions. L'auteur du projet, c'est ce monsieur Anatoli Uniski, à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche, de calcul et d'expérience pour que sa création voie le monde. Il est l'auteur de cette technologie efficace, sûre, optimale. Les détails de sa biographie et ses développements peuvent être trouvés sur le site uniski.ingénieur. Il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs bien détaillé. Ici, nous avons les différents modèles de véhicules pour le transport des passagers qui existent dans la technologie et ici, quatre modèles de véhicules pour le transport des marchandises. Le transport sur des rails à cordes se déplace au-dessus des roues et du sol et de l'eau, autant pour moi, sans interférer avec les autres modes de transport. Il s'intègre facilement à n'importe quel environnement, occupant un minimum d'espace à la surface de la Terre. Ni les montagnes, ni les forêts, ni les eaux ne sont les obstacles. Pour le transport à cordes, il n'est pas nécessaire de niveler les terrains, de bloquer les voies de migration des animaux, de détruire la couche fertile du sol. Il a besoin de l'accès au sol le plus minimal qui soit. Et avec les méthodes modernes de livraison de structures, OK, fournies également par la technologie, il n'est pas nécessaire de poser des voies d'accès au site d'installation des supports. Le transport à cordes s'intègre facilement à la fois dans le paysage naturel et dans les infrastructures urbaines. Ayant ses propres supports, il peut traverser les bâtiments sans charger la fondation. Au début 2020, donc, le transport à cordes a été présenté à 18 grandes expositions internationales où il a toujours attiré d'énormes attentions. Ces photos que vous voyez ici ont été prises lors de l'exposition à Berlin en 2018. Regardez la photo en haut à gauche. On voit les employés du stand des téléphériques suisses. Ils regardent en direction de l'U-Sky. Bien évidemment, il est impossible
de passer devant un tel appareil frappant une forme futuriste inhabituelle sans être capté, captivé. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes, doit subir de nombreux tests d'essai. Les documents donc confirmant que le transport accorde à passer les tests peuvent être trouvés sur le site facilement. Et ici, donc, vous avez le document que tenait le docteur Anthony Niski sur l'image précédente. La technologie de transport accorde a obtenu 83 brevets dans 18 pays des États-Unis à la Chine, plusieurs certificats et récompenses également. Sur cette diapositive-ci, il n'y a pas un dixième des documents que l'entreprise a. Vous pouvez tous les retrouver sur le site uniski.ingénieur. Sans aucun doute, il est impossible pour une seule personne de mener à bien un tel travail titanesque. Voilà pourquoi la société Uniski Steel Technologies a été créée en République de Biélorussie. Et depuis 2019, la société emploie plus de 1 000 professionnels hautement qualifiés. La structure est composée de 80 départements et bureaux d'études. La propriété des bureaux et de production couvre une superficie de plus de 10 000 mètres carrés. Dans sa production, il y a 11 machines complexes qui ont déjà été conçues et fabriquées pour le transport de marchandises urbains et interurbains à grande vitesse et à hyper vitesse, suspendues et montées d'une capacité de 2 à 200 passagers. L'argent des investisseurs a permis de construire un éco-technoparc non loin de la ville de Minsk, en République de Lycie, de Biélorussie en premier. Et chaque année, à l'heure de l'éco-fest, des milliers d'investisseurs se rassemblent sur le site pour voir la réalité de tout ce qui s'y passe. À chaque fois, quelque chose y est montré, quelque chose de nouveau. En septembre 2018, on a commencé la construction du centre d'innovation UST aux Émirats Arabes Unis, dans l'émirat de Sharjah. Ce centre d'innovation de Sharjah est un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe UST lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie. Ces photos sont prises en 2019 sur le site de construction de Sharjah. Et le transport aux Émirats arabes unis sera donc une preuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre. Et dans un avenir pas si lointain, il s'intégrera facilement dans le paysage naturel comme le fait le métro ou le tram aujourd'hui. Ils ne nous surprennent plus du tout. Nous pouvons donc dire, parvenu à ce niveau de la présentation, que le transport jusqu'à être est un transport innovant, rapide, sûr, facile à intégrer, économique, respectueux de l'environnement. Alors, je vous dis merci pour votre aimable attention. Bien évidemment, comme d'habitude, je vous laisse avec cette vidéo de présentation, le Uniflash, magnifique vidéo, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Des dernières nouvelles croustillantes du projet. Ciao.